Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je t'emmène à la recherche des morilles de plaine. On va aller sur un terrain alluvionnaire, calcaire, et ensemble, on va parcourir cette zone, on va regarder les différents indices et on va trouver des morilles. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas justement à la soutenir en mettant un pouce bleu, à activer la cloche et t'abonner pour être averti des prochaines vidéos sur les champignons comestibles et des prochaines sorties mycologiques. Et surtout, un commentaire et je serai ravi d'interagir avec toi. Je te souhaite un bon visionnage. La journée commence bien, on est en sortie binôme avec mon binôme Julien. Et là donc, fidèle au rendez-vous, mais on est un petit peu en retard. Nous avons une morille juste là, séchée sur pattes. Autant vous dire que celle-ci a eu le temps de sporuler. Et à en juger, on va tout simplement la laisser. Voilà. Alors comme vous pouvez voir à l'intérieur, nous avons des petites bestioles. Tout simplement, elle a eu le temps de laisser ses spores se disséminer. Et ça, c'est pas une mauvaise chose du tout. Vous voyez, donc, on est autour d'un endroit assez fidèle où tous les ans on trouve des morilles. Grâce justement au bon réflexe de laisser ces morilles matures sporuler, ne pas les prélever trop petites. On arrive encore à voir la forme de la morille. Elles sont bien blondes maintenant. Les limaces vont aussi se charger de répandre les spores, donc les envoyer un peu partout, les disséminer. Et contribuer justement à élargir le coin. Alors on est dans une forêt essentiellement constituée de frênes, du noisetier. On est dans un endroit assez humide. Vous pouvez entendre les oiseaux, c'est super agréable. Et ça, à 8h du matin, c'est un réel bonheur. On a de l'ail des ours un peu partout. La végétation est bien avancée et on va continuer à chercher autour en espérant trouver d'agréables surprises. Donc le compteur va dire, le compteur est ouvert. On a vu de la morille, c'est pas pour autant qu'on en a ramassé, mais on en a vu. Là, toujours sur ce coin à morille, on voit la nature du sol alluvéonnaire, les arbres entremêlés, assez serrés. Dedans, nous avons de l'hélébore fétide. Beaucoup de mousse, de l'anémone sylvie, de l'ail des ours et toujours une forêt assez compliquée à traverser, mais ça vaut vraiment le coup. Ici, on peut faire de très très belles trouvailles. Après, ce sont des endroits assez connus, donc il faut vraiment avoir la chance de passer au bon moment, d'avoir le bon timing. On va continuer, on va regarder. Ici, on est dans une forêt justement où on trouve de l'esculenta, de la morille blonde. Nos frênes sont un peu partout. Ils n'ont pas l'air en mauvaise santé. On a du noisetier un peu partout. Et on a du silence. On peut écouter la nature. Et ça, ça n'a pas de prix. Allez les champipotes, on croise les doigts. On espère qu'on va trouver de belles morilles pendant cette sortie.
On avance et sur un petit chemin, tout simplement un petit chemin là, que l'on devine à peine, sur le petit chemin, tout juste là, on va descendre, voir cette belle petite morille. Je pense qu'on est très certainement sur Morcella Rotonda. Vous voyez qu'elle est bien ouverte, elle a eu le temps de sporuler. Une morille qui est arrivée à maturité. On est vraiment dans un endroit propice, comme je vous l'ai cité juste avant. Donc on va voir si on peut faire une très très belle cueillette aujourd'hui. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir trouvé cette morille et de pouvoir vous la montrer. On va la prélever. Alors sachez que la couper au pied ou la pincer ou l'arracher n'a aucune différence, quelle qu'elle soit pour les morilles, parce que le plus dangereux pour la morille, c'est le piétinement. Alors on va attraper notre couteau. Allez, c'est parti pour ramasser cette très très belle morille. Je la coupe au pied. Hop, on referme tout ça. Et la voici. Pourquoi couper la morille au pied? Ça permet déjà de laisser la forêt à la forêt. Elle est bien jaune. Super. On continue cette magnifique journée aux morilles. Bien entendu, l'un des derniers réflexes avant de partir de cet endroit est de prendre sa morille en main et de bien souffler dessus. Et vous laissez tomber les spores. Vous soufflez bien dessus. Ça permet de disséminer les spores qui sont encore dans les alvéoles. Et vous le faites longuement parce que ça ne sert absolument à rien de ramener ces spores à la maison. Et puis vous, vous contribuez justement à pérenniser votre coin à morille. Une autre fleur qui aime beaucoup les coins à morille, on est sur les orchidées. Donc si avant de vous lancer dans la cueillette des morilles ou la recherche des morilles, vous aviez l'habitude d'arpenter les forêts, retournez sur les endroits où vous avez vu des orchidées. Bien souvent, autour de ces endroits, on peut éventuellement trouver des morilles. Gardez ça en tête. L'habitat, on a de la ficaire, des petits noisetiers, du frêne. On est toujours dans cette même forêt composée majoritairement de frênes. Et l'orchidée, ça saute à l'œil, vous la voyez de loin. Et aussi, on peut trouver donc de l'anémone Sylvie, des violettes et du lierre un peu partout au sol. Donc on va continuer, j'espère ne pas rester que sur une seule morille. On va continuer et on espère vous faire de belles découvertes. Là, les champipotes, on est dans une forêt avec du sol alluvionnaire. On voit la végétation, grands arbres, toujours nos frênes. On a des hêtres, du noisetier. Et là, j'en profite donc pour vous faire un petit test, pour vous montrer l'importance justement d'entraîner son regard en préparation de la cueillette des morilles. Alors moi, je l'ai vue, elle est là-bas. C'est un très bon exercice. C'est une fois que vous allez trouver votre première morille, vous prenez le temps. Prenez le temps d'analyser l'endroit et surtout de garder en tête la forme de cette morille. On va descendre la voir. Elle est là, juste là. Voici une très très jolie morille blonde. Morcella esculenta. Elle est toute seule. Malheureusement, on va chercher autour. Je trouve que le sol est relativement sec.
On n'a pas beaucoup de d'ail d'ours sur cet endroit. Donc, est-ce que c'est une mourie solitaire, oubliée, d'une cueillette d'un morilleur? En tout cas, nous, on l'a trouvée. Ça fait super plaisir. Une petite morille donc à cueillir et puis surtout à rajouter à la maigre cueillette d'aujourd'hui, qui reste néanmoins une cueillette. Il y a des personnes qui n'ont jamais trouvé de morille. Je leur souhaite de trouver des morilles grâce à mes vidéos. N'hésitez pas à les regarder. Ça vous permet déjà de vous faire une idée de l'habitat dans lequel on peut trouver ces morilles et surtout à vous préparer mentalement. Une fois de plus, l'entraînement, c'est ce qu'il y a de plus important quand vous vous lancez dans la cueillette et la recherche des morilles. C'est le moment de la prélever, tout simplement couper au pied. On referme une première. Et là-bas, celle qu'a trouvé le binôme de choc, Julien. Elle est juste là, comme sur une veine. Elle a une taille un peu plus conséquente. Encore une Morcella esculenta. On la coupe bien au pied. Allons-y. La deuxième. Elles sont superbes. Souffle bien dedans. Et voilà, c'est parti.